vide à gauche. Non, pas clair. Le mi bémol est trop épais. Chaque fois, les tris changent de caractère. Ou ils pressent, ou ils sont épais, ou il y a la deuxième note qui manque, ou un accent. Non, reprenez. Il y a une espèce de plénitude sur cette main gauche. La musique n'est pas quelque chose où x aantal uren aan werkt, maar de keer dat het af is, is het af. Nee, iedere keer als je naar achter je instrument gaat zitten, moet je dat werk, dat je misschien al 1000 uur bestudeerd hebt, moet je het opnieuw van A tot Z opbouwen en spelen. En dat is iedere keer een evenwichtsoefening en altijd gebeuren er wel dingen waar je me niet tevreden over bent, maar dat is ook een verrijking. Want aan de ene kant is het ook datgene wat u bezighoudt en wat u zin heeft om door te gaan. En aan de andere kant is er geen andere kant in feite. Ik heb geen tweede punt te zeggen. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Thalys, à destination de Paris Nord. Wat wel zo is, mijn leven is nogal geritmeerd rondom die lessen bij Fascina. Ik ben er zeer sterk aan gewend geraakt, maar als ik een beetje afstand neem, merk ik wel dat dat iets is dat ik echt dan nood aan heb. Niet zozeer aan het feit dat het een les is bij die persoon, maar gewoon het feit dat er tenminste 2 dagen in de week dat en precies iets gebeurt. Het is een zodanig, ik ga niet zeggen onzeker bestaan, maar op elke dag gebeurt er iets dat totaal onvoorzien is. Het is geen 9-to-5 job. Door la récimie. C'est un caractère. De moi, voilà, et quelquefois votre poids s'en va. Oui. Il faut que le phrasé soit partout. Vous le détachez avant. Pardon? Vous le détachez avant, mais ça là, ça va être très long. Non, il y a une respiration et... Voilà. C'est pas un arrêt, c'est un contraste. C'est mieux ça. C'est mieux ça, oui. Là c'est mi. Quand vous reprenez le tempo, faut pas partir plus vite. Non, c'est trop vite. Mi. C'est, le contraste n'existe pas si vous me faites un diminuendo sur cette fin. Fascina is iemand die mij op een bepaald moment in zekere zin gered heeft, omdat ik een beetje vast zat. Muzikaal, technisch, in termen van ja, hoe ga ik evolueren, is er nog voedingsbodem, en die mij echt... zeker in het begin bij mijn handje genomen heeft en gezegd van en nu ga je dat eerst doen en dan dat en dan dat, en die mij echt heel, heel consequent opgebouwd heeft op een manier waar ik op dat moment zeer sterk nood aan had. En ja, als je dan 4 jaar met zo iemand werkt, dan creëert dat een band die uiteindelijk de zuivere leerling-leraar band nogal overstijgt en die meer in termen van vriendschap begint te redeneren. Alors, comment vous sentez? Ça va. C'est curieux parce que j'ai l'impression de... Comment dire? J'ai l'impression...
sans trouver ça mauvais, que... Il y a... l'impression que je rejoue l'interprétation que je faisais avant sans pour autant être entièrement investi dedans. Je me suis dit, bon, c'est bien joué, c'est... Mais c'est pas lui, quoi. Vous étiez assis à côté de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous étiez assis, vous vous regardiez, mais... C'était pas vous qui jouiez, c'était quelqu'un à côté de vous. Et ça m'étonne. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas encore eu beaucoup de temps de vraiment re-rentrer dedans. C'est pas une critique, c'est une constatation. Ah, oui. Pas. Mais on est là pour ça. Oui, on est là pour travailler, pour ramener les moutons qui s'en vont du troupeau. C'est un peu ça. Moi, je suis chien berger.